ici. Avez-vous une liste de prénoms à nous communiquer? Non. J'ai réfléchi. J'aimerais que notre bébé ait une vie normale. Notre enfant sera l'héritier de ce royaume. Je suis allée à l'école publique et je prenais le métro toute seule à 10 ans. On trouvera une nouvelle définition de normal ensemble. Mais pas de métro non plus. Heureusement pour toi, l'Aldovi n'a pas de métro. Ce soir, vos majestés, nous signerons la trêve entre l'Aldovi et Penglia. Je serai la première reine à le signer. Le royaume de Penglia est très attaché aux traditions. Nous, reines, pouvons mettre la tradition au goût du jour. Vous voulez moderniser une tradition vieille de 600 ans? L'histoire n'est pas faite par ceux qui suivent les règles. Je peux aussi vous offrir nos services. J'ai vu le parchemin, c'est un peu vieillot, non? C'est une œuvre d'art inestimable. J'ai le grand honneur de présider la trêve sacrée entre nos royaumes. Pouvez-vous procéder, s'il vous plaît? Au moins maintenant, on peut le remplacer par quelque chose de plus convenable. Qui dans le palais avait les moyens, l'opportunité et le mobile? Si un jour la trêve venait à être rompue, un sort s'abattra sur le premier-né. Si le traité n'est pas signé avant minuit la veille de Noël, la malédiction s'accomplira. Le traité a disparu et si on ne le trouve pas, notre bébé sera maudit. Tu vas devoir m'expliquer tout ça. C'est une longue histoire. J'insiste sur histoire. Je prends le premier avion. Oh, tu peux me rapporter des bagels? Ne juge pas mes envies bizarres. Tout ira bien. Je crois que je ne suis pas prête pour être reine et mère. L'avion est en stand-by. Nous décollons dès que possible. Je sais que tu ne crois pas à cette malédiction, mais là j'ai besoin de ton aide. On retournera tout le château s'il le faut. Personne ne fête Noël comme les Aldoviens. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'arrive même pas à attraper mes chaussons. Permettez-moi. C'est parfait.